Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 7h19. Georges vient de partir pour aller prendre son bus pour l'école. Alors, j'ai une semaine hyper, hyper chargée puisque je dois courir pour aller chercher les petits à l'école, les petits de mon frère. Donc là, je dois aller les chercher. C'est la semaine la plus chargée, en fait, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Puisque je vais devoir courir pour la plus grande, enfin, la moyenne, qui finit en même temps que Sam. Donc, du coup, je peux ramener Georges en même temps. Ça, c'est bien. Mais, voilà, c'est des courries, quoi. Puis faire les devoirs et tout ça. Je suis déjà épuisé, rien que d'y penser, moi. Donc, là, aujourd'hui, je viens de lancer... Le poêle à pelée n'est pas lancé, donc vous n'aurez pas les bruits de fond pour cette intro. Mais pour le reste, vous risquez fortement d'avoir le bruit de fond du poêle à pelée. Voilà. Là, j'attends que ma machine ait fini de tourner. Sans avoir allumé le poêle à pelée, puisque l'électricité risque de sauter. Hier, elle n'a pas sauté, mais ça risque de sauter quand même. Donc là, j'attends que ce soit à peu près l'heure des essorages et je vais tout éteindre pour être sûr. Ensuite, j'ai ma belle-sœur qui va amener les petits à l'école et qui vient me redéposer la voiture que je dois ramener chez elle après pour revenir ici avec la voiture pour que je puisse avoir la voiture pour aller chercher les petits à l'école. C'est tout un bordel. Je reçois mon appel vers 10h30 aussi, l'appel important que je devais avoir vendredi dernier que j'ai pas eu. Et j'aimerais bien faire ma vidéo de mercredi, mais je pense que ce sera pour demain. Aujourd'hui, j'aurai absolument pas le temps. Parce que les autres jours, ma belle-sœur m'amènera la voiture vers 1h30 quand elle part travailler. Donc, elle dépose la voiture ici devant et sa collègue vient la chercher devant la porte. Donc, ça fera une courrie en moins, quoi. On verra bien comment ça va se goupiller. Je vais voir à quelle heure j'ai mon appel déjà et à quelle heure il se termine. Pour voir si j'ai le temps de faire ma vidéo de mercredi ou pas. Qui sera donc le full face révolution. Quand je vous mentionne une petite vidéo, je vais la mettre soit dans le petit, soit en barre d'infos si jamais il n'y a plus de place. Voilà, voilà. Sinon, week-end de merde. Il y a eu de la neige. Là, il n'y a pas neigé cette nuit, il n'y a plus. Mais il prévoit de la neige pour toute cette nuit. Et moi, j'ai prévenu mon frère. S'il y a de la neige, les gosses, je m'en fous, ils restent à l'école. Quoi. Je ne vais pas aller chercher. Moi, je ne roule pas sur la neige. C'est impossible. Hier, j'étais en stress total toute la journée en me disant, putain, je vais devoir aller chercher, il prévoit de la neige et tout. J'avais envie de pleurer déjà, quoi, tellement j'ai peur sur la neige, c'est un truc de fou. C'est depuis que j'ai glissé une fois. Hein. Avant, j'avais pas peur. Mais voilà, entre cette fois-là où j'ai failli emboutir le cul d'une voiture devant moi, et puis la fois où j'ai eu l'accident le 1er jour, enfin le 31 décembre, le soir du réveillon de Nouvel An, depuis j'ai peur de rouler, donc je vais pas aller tenter le diable. Là, je l'ai prévenu, j'écoute, si jamais il neige, je vais pas aller chercher, ouais, je pourrais pas. Ça sert à rien que je me stresse et que j'aille risquer un accident, que surtout que c'est pas ma voiture. Donc voilà, sinon, on a fait quoi ce week-end le chien a essayé de descendre du canapé, il a failli se toller... Elle vient se coucher près de moi. Ah, bah non. Samedi, j'ai été chercher les deux produits qui me manquaient pour mon swap. Du coup, comme j'ai dû aller chez Sephora, je me suis repris un backup de ma poudre. Voilà, j'avais un bon de 10%. Alors, Sephora, c'est vraiment des enfoirés parce que j'ai reçu un SMS comme quoi j'avais un bon de 20% ou de 25% sur 69 € d'achat. C'était le code de janvier, là. Ah bah j'écoute, j'ai commandé le produit qui me manque et un backup de ma poudre avec 20%, c'est bien. Sauf que ça passait pas sur la poudre. Voilà. Donc c'est de la marque Sephora et les bons Sephora ne passent pas sur la marque Sephora. Pff, comment ça me gaver. Échantillon zéro. On a pour 30 balles et ils donnent pas un échantillon en boutique, quoi. J'avais fait en click and collect. En plus, je suis arrivé. Ah mais il me faut votre carte d'identité, madame. Mais j'ai un nom qui est affiché là. J'ai ma carte. Ma carte de fidélité et tout. Non, il faut la carte d'identité. Je l'avais oubliée à la maison, puisque c'est pas moi qui roule, donc moi je prends pas mon portefeuille quand je vais quelque part. Donc on a dû revenir à la maison, retourner chez Sephora, chercher ma commande. Alors je voulais la faire en click and collect pour aller plus vite, et au final ça a été plus long. Même sans le fait que j'avais oublié ma carte d'identité. Hein, le temps qu'elle trouve la commande, qu'elle aille me la chercher, qu'elle me fasse signer le ticket, qu'elle me refasse un autre ticket. Pour une fois, j'achète directement le produit, quoi. Voilà. Bref. Sinon, je vous avais raconté l'histoire du chien qu'on a failli écraser. Je vous avais raconté ça dans le précédent vlog, mais il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. L'eau. Ah, l'eau. On va parler de l'eau.
Donc, on habite ici depuis 6 ans. On a acheté la maison ici il y a 6 ans. Ça fera 6 ans au mois de février. On a fait le changement d'eau à l'autre maison où on habitait, dans une autre commune, bien sûr. Sauf qu'il y a deux compteurs et ils ont fait le changement d'eau, le changement de nom que d'un des deux compteurs. Donc, ça fait 6 ans qu'on reçoit des factures à notre nom pour le deuxième compteur de l'autre maison, qui était une location, du coup. Que j'ai beau aller leur dire, leur envoyer des mails, leur téléphoner et tout pour leur dire qu'on n'habite plus là, ils me disent « Oh, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. » La dernière fois, je reçois un mail comme quoi risque de mise en demeure et tout ça, à cause de l'eau. Donc de l'ancienne commune. Hein. J'ai envoyé un mail. Pour ceux qui me connaissent, doivent se douter un petit peu de la consistance du mail et de la façon de formuler mes phrases. C'était un peu cinglant, tout en restant courtois et poli. La courtoise et polie. Je leur ai dit, vous vous foutez de ma gueule, clairement. Ça fait 6 ans qu'on n'habite plus là, ça fait 6 ans qu'on vient vous le dire régulièrement, que voilà. Et là, elle me dit, oui, mais il n'y a qu'un des deux changements de compteur qui a été fait, le deuxième n'a pas été fait, il fallait faire le changement pour les deux. Et genre, vous ne pouviez pas nous dire quand on est venu faire le changement d'eau. Enfin, de nom, quoi. Ou pas. C'était peut-être votre boulot de nous prévenir qu'il fallait le faire. Et toutes les fois qu'on est venu en 6 ans, ou qu'on vous a téléphoné, ou envoyé des mails et tout, ça n'a jamais été fait. Alors elle me dit, vous avez 15 jours pour payer 2500 euros d'eau que vous nous devez. Ben, tu peux toujours courir. Donc voilà, on va attendre qu'ils nous mettent au tribunal, n'est-ce pas? Parce que alors là, je vais me faire une joie. Je crois que j'ai jamais été aussi impatiente de ma vie d'aller au tribunal. Parce que c'est la deuxième fois quand même qu'on passerait avec eux au tribunal. Hein. Ils n'ont toujours pas compris. Hein. Le juge nous a donné raison la dernière fois. Il recommence. Donc de toute façon, ils n'oseront pas, je pense, nous mettre, puisqu'ils... Une fois que le juge a rendu sa décision, ils ne peuvent pas repasser au-dessus. Eux, ils s'en foutent, ils essaient. Hein, parce que si quelqu'un ne fait pas attention et qui est quelqu'un qui est assez faible en caractère ou qui a peur des conséquences et tout ça, va payer. Donc, ils en foutent, eux. Ça leur fera 2500 balles dans leur poche. Donc, voilà. Mais non, je ne vais pas les payer l'eau alors que c'est l'autre qui la consomme depuis 6 ans. Il ne faut pas déconner. Hein. Donc, voilà. Mais il y avait encore un autre truc que je voulais vous dire dans la même lignée, mais je ne sais plus c'est quoi. Bouh. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Là, je vais acheter mon café, je vais aller faire mes petits soins avant que l'électricité saute. Comme ça, si jamais j'ai mon coup de fil assez tôt, je pourrais faire ma vidéo. On verra bien. Et voilà, je vais peut-être mettre mon peignoir de grand-mère aussi, pour histoire de ne pas avoir trop froid, parce que là, j'ai mon pyjama. J'ai que deux pyjamas pilou-pilou, alors j'alterne entre les deux là en hiver. En été, j'en ai plus, parce que j'ai acheté plein de pyjamas short une fois que j'avais été chez Primark. Mais des pilou-pilou qui me vont encore, j'en ai plus que deux. Donc, je mets les deux là, j'alterne, hein, une fois l'autre. Donc, vous voyez souvent les mêmes. Hein, celui-ci ou mon roi lion, voilà. Sinon, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ah, je voulais vous parler aussi des vernis Beauty Luxe, les VSP. Là, je l'ai mis. Alors, je vais vous montrer sur cette main-ci, on voit un peu mieux. Donc, j'ai pris le noir, moi, puisque j'ai presque fini mon Your Sugar. Et par-dessus, j'ai mis un effet scarabée, comme ça. Mais regardez ici. Vous voyez comment ça fait? La forme fait. En fait, c'est les vernis préférés de Val Beauty & Co. Donc, je me suis dit, j'ai testé, parce qu'ils ne sont pas hyper chers. Ça vient d'AliExpress. Hein. Mais ça fait 2 fois que je mets le noir. J'ai que le noir. Hein. J'avais dit que je prendrais le noir pour tester. Et du coup, j'aime pas du tout. Il se rétracte à mort. Même avant que vous le catalysiez, il se rétracte déjà. Il est super épais. Il fait des ondulations, des croutinettes dégueulasses. On a l'impression que je l'ai mis en version cochonnette encore, mais c'est pas le cas. Hein. Je vous jure que... Voilà, j'ai mis du vernis quand même. Quoi. Bon, après, je suis pas une grande délicate, on le sait, mais... Voilà. Alors, bon, le rendu est joli. Hein. Ça tiendra bien quelques jours ou une petite semaine. Puis après, je changerai quand j'en aurai marre. Mais celui-ci, je risque de l'arracher avec mes dents parce qu'il n'est pas... Moi, j'aime bien quand mes ongles sont bien lisses. C'est pour ça que je mets du vernis, justement. C'est pour qu'ils soient bien lisses. Donc, voilà. Je ne vous les conseille pas forcément. Après, je ne sais pas si c'est juste le noir ou si ça fait pareil pour les autres couleurs. Je vais rester chez les Elite 99 ou les You Are Sugar. Jamais été déçu avec ceux-là. Donc, voilà. Bref. Bon, je vais aller acheter mon petit café et répondre aux commentaires que j'aurais eu hier soir tard. Et puis voilà, je sais pas ce que je vais faire en attendant que ma machine ait fini de tourner. Bah, mes soins déjà pour commencer, brosser mes dents, éteindre le PC de mon homme qui tourne pour rien, comme d'hab, parce qu'il est parti travailler en laissant le PC allumé. Donc je vais éteindre ça pour être sûr que ça fasse pas sauter les plombs avec l'essorage de la machine. Elle m'énerve cette machine, hein. Elle aura ma peau. Bref, ça fait déjà 10 minutes que je papote.
pote avec vous. Donc, je voulais vous remercier aussi sur le retour du vlog qui est sorti hier pour moi, mais la semaine dernière pour vous. Voilà, vous aimez toujours autant ça, donc je suis contente parce que moi, ça me plaît toujours autant de vous travailler avec moi comme ça et de vous papoter avec moi. Voilà, je me sens pas toute seule, c'est cool. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps avec moi et qu'on papote entre copines. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira encore pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'en ai marre de les faire en fait. Voilà. J'espère que vous en aurez marre de les regarder au même moment que j'en aurai marre de les faire. Ça serait bien ça, non? Comme ça on se coordine, on est sur la même longueur d'onde quoi. Oui. Allez, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous reprends un petit peu tout à l'heure. Ok, là il est 9h34 pour être très précise, mais alors précise de chez précise. Je viens de rentrer d'avoir été ramener ma belle-sœur chez elle pour garder la voiture, moi pour aller chercher les enfants tout à l'heure. Quand je vous dis que c'est tout un bordel, c'est tout un bordel, hein, c'est toute une organisation. Hein. Donc là j'ai fait tourner mes draps ce matin à 7h au matin. Ça a quand même sauté. J'étais dans le noir, j'avais tout éteint, donc il n'y avait rien d'allumé, à part les trucs qui restent couramment allumés, genre le frigo, le four, ben voilà quoi. Mais ça a sauté quand même, donc je comprends pas. Vivement qu'on change cette putain de machine. Donc là, j'ai les draps qui sont étalés sur des chaises, sur mon pendoir et tout, pour que ça s'échauffe plus vite, parce qu'il faut qu'il soit sec pour ce soir, puisque je tourne qu'avec une paire de draps, en fait, enfin, une housse de couette. Et une paire de draps, comme ça je me casse pas la nénette à trouver les bons qui vont sur quel lit et tout ça. Je fais tourner, on remet le soir, sauf que d'habitude on a le sèche-linge, donc ça va tout seul. Là c'est pas le cas, donc voilà. Sinon ce matin j'ai envoyé le petit bonjour à mes copines, comme d'habitude, hein, comme tous les matins. J'ai bu le café avec ma belle-sœur du coup pendant une heure, quand elle est venue me déposer la voiture. Enfin un peu moins d'une heure, mais voilà, on a bu le café, on a papoté un peu. Et je continue à papoter avec vous maintenant, hein, comme quoi je ne sais vraiment pas me taire. J'ai rechargé mon poêle à peler, j'ai rangé un petit peu, j'ai déjà pas chômé depuis ce matin, hein, mais j'ai dû marcher dans la neige. Je suis déjà au bout de ma vie. Donc là, les routes sont super bien dégagées, il n'y a rien sur les routes, il n'y a plus cette nuit. Mais il y a tous les tas de neige sur le côté que les gens ont déblayé sur les trottoirs et tout ça. C'est super intelligent. Du coup, quand on doit se garer ou sortir de sa place de parking, c'est un peu chiant. Même beaucoup chiant, donc c'est un peu plus ce qui me fait peur. Là, comme je dois aller chercher Georges qui finit à 3h10 aujourd'hui, il va venir avec moi chercher les petits, donc c'est lui qui ira attendre devant l'école. Comme ça, moi j'essaye de trouver une place où il n'y a pas de neige, vous voyez, un parking dégagé ou quelque chose comme ça. Georges aura qu'à marcher pour aller les chercher. Et voilà, donc après, je vais les reprendre ici en attendant que mon frère vienne récupérer et les gosses et la voiture. Qui bordel, bref. Donc là, j'attends mon coup de fil d'ici une heure, je pense. Normalement, c'est vers 10h30, il est 9h37. J'espère qu'il va m'appeler à l'heure. Comme ça, après, j'ai le temps de faire ma vidéo pour mercredi. On va bien voir. S'il m'appelle en retard, je risque d'être un peu coincée. Demain, donc, ma belle-sœur m'amène la voiture autrement, vu que j'ai pas besoin de la ramener. Là, sa collègue viendra la pêcher directement devant ma porte. Donc, elle me dépose la voiture juste avant de partir travailler. Et elle part avec sa collègue de devant chez moi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça évite une courrie. Du coup, elle me la dépose vers 1h30. Donc là, j'ai toute ma matinée quand même de 6h au matin, 6h, enfin 7h que Sam part à l'école, 7h, 7h15, jusqu'à 1h30 qu'elle me dépose la voiture. Je suis tranquille. Et après, je suis de nouveau tranquille jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller chercher ma nièce, à 2h20. Et Sam, par la même occasion, vu qu'ils sont dans la même classe, vu qu'ils ont le même âge. Et après, je dois redescendre la plus grande chez mon frère, ramener Sam ici, attendre une demi-heure, et repartir chercher les petits. Sauf s'il y a de la neige. Parce que là, il prévoit quand même de la neige toute cette nuit. Donc, s'il y a de la neige demain matin, moi, j'appelle mon frère, et les gosses, ils se démerdent. Ils rentrent à pied, en avion, à Dodane, je m'en fous, mais je vais pas aller chercher en voiture. Hein. Voilà. Donc ben moi je vais ranger un peu et puis en attendant mon appel et puis après j'espère pouvoir faire ma vidéo donc voilà. Je viens de finir ma vidéo donc j'ai presque plus de batterie. Je vais aller recharger ma batterie. J'ai enfin eu mon appel que j'attendais voilà. Et du coup j'ai eu le temps de faire ma vidéo. Il est attendez, je mets mes lunettes parce que sinon je vois que telle. 11h49 mais oh non, je les mets pas, elles sont trop sales, faut que je les lave. Du coup je vais aller me faire à manger puisque j'ai
fin. Il me reste des patates d'hier, donc je vais réchauffer les patates avec un œuf et un petit peu de lardon. Voilà. Une petite omelette de patates, quoi, en clair. Je ne sais pas si vous connaissez et si vous en faisiez, mais j'adore les omelettes de patates. Le lendemain qu'on a fait des patates. Là, il faut que je range mon bordel, aller dérocher et aller remettre charger la batterie de mon appareil parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, si je veux vlogger encore un petit peu avant de partir chercher les enfants à l'école, il faut que je m'active, il faut que je charge un petit peu. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller manger devant un petit épisode d'Esprit Criminel. Et j'arrive à la saison 6. Je me demande si je ne viens pas d'entamer la saison 6 ou dans 5 ou 2 épisodes. Bref, c'est pas, on se fout. Donc, je vais aller faire ce que je viens de dire que j'allais faire. Je ne vais pas le répéter 15 fois comme d'hab. Et ensuite, ben, je vais remettre mon pilou-pilou aussi parce que je suis totalement gelée comme d'hab. Après, je me préparerai pour aller chercher les petits. Et après, je ne pourrai plus vous prendre puisque j'aurai les enfants jusqu'à ce que mon frère vienne les chercher. Après, il y a mon homme qui va rentrer. Il y aura Georges. Enfin, donc, ça, après, je ne pourrai plus vous reprendre le reste de la journée. Donc, je vais essayer de vous reprendre un petit peu avant de partir les chercher, peut-être tant que mon montage enregistre, si j'ai le temps de faire le montage, on verra bien. La principale maintenant, c'est d'aller manger, parce qu'il est l'heure à quoi j'ai faim. J'ai vraiment, vraiment faim. Je perds mes plumes, hein. Je me dis plumes de partout, c'est un truc de fou. Ok, bon, je vous souhaite un bon appétit si jamais vous êtes à table. Et moi, je me souhaite un bon appétit, je vais aller manger. Donc, il est 14h20, je viens de finir le montage, je suis en train d'enregistrer, donc j'espère qu'il sera fini avant que je doive partir chercher les petits. Comme ça, je peux le mettre à uploader directement sur YouTube. Et voilà, la journée sera bonne pour moi, puisque après je vais aller chercher les petits, donc je peux pas filmer tant qu'ils sont là. Après, mon frère va venir récupérer les enfants et la voiture, mon homme va rentrer, tout ça, donc le vlog pour aujourd'hui, ça sera bon. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire de spécial aujourd'hui. Je suis de nouveau gélifiée, hein. Il fait moins 15 000 dehors. Il y a le chien qui va rentrer maintenant que je viens d'appuyer sur enregistrer, bien sûr. Et voilà. Là, je viens de mettre un peu de baume à lèvres sur mes lèvres pour comme ça, après, j'ai plus facile à enlever le restant de rouge à lèvres. Puisque je ne remets pas au fil de la journée, hein, vu que je reste à la maison. Donc, comme ça, je pourrais enlever. Je sais pas, c'est. Non, voici. Voilà, le chien veut rentrer, c'est bien ce que je disais. J'arrive. Voilà. Donc, oui, je disais, j'ai mis du baume à lèvres sur, bah, sur mes lèvres, forcément. Comme ça, j'ai plus facile après à enlever le restant de rouge à lèvres, de crayon et tout ça avec un mouchoir. Et puisqu'après, je dois mettre le masque pour aller attendre les petits devant l'école, sauf si Georges y va à ma place. Là, ça m'arrangerait bien. Comme ça, je trouve une place où il n'y a presque pas de neige pour me garer. Et Georges, il marche dans la neige et pas moi. Ça, ça serait cool. On verra quand on y sera. Et mes draps sèchent. Donc, vous voyez là, ils sont presque secs. Là, je pense que ça sera bon. Enfin, de toute façon, oui, ça sera bon pour ce soir. Il y a un peu le drap housse avec les élastiques ont un peu plus de mal à sécher, comme d'hab. La housse de couette est sèche. Les têtes d'oreiller sont sèches. Il ne reste plus que celui-là. Donc, voilà, demain, il faut que je fasse tourner mon linge avec mes cotons démaquillants, mes petits cotons réutilisables et tout ça, tout ça. Donc, je vais encore me retrouver sans électricité le matin. Donc, ça, je ferai dès que je me lève à 6h30. Comme ça, à 7h30, elle est sort. Et je ne suis pas sans électricité de la journée. Enfin, je ne dois pas prévoir en fonction que les plombs y sautent. Tais-toi ! Donc, voilà, on se retrouve demain. De toute façon, demain, j'aurai un peu plus le temps puisque. Il y a moins de courriers, je dois aller chercher deux fois les gosses, hein, la grande et les deux plus petits, enfin la moyenne et les deux plus petits. Donc je vais courir deux fois les chercher à l'école, mais c'est que l'après-midi. Le matin, je ne bouge pas. Donc je pensais faire ma vidéo de vendredi demain, mais je vais d'abord laver mes pinceaux. Parce qu'il faut que je lave mes pinceaux. Et de toute façon, comme j'aurais fait tourner mes houppettes et tout ça, comme ça, elles seront bien sèches. Je ferai la vidéo mercredi pour vendredi. Et après, je pourrais enchaîner avec des make-up que je vais vous faire pour d'autres vidéos où je dois faire plusieurs make-up. Donc là, il faut que j'enchaîne. Il y a dans 15 jours là, une couleur, un make-up, une couleur 5 make-up. Donc ça sera les tons mauve. Et je vous prépare aussi une palette 3 looks avec la Norvina Volume 1.
Ça, je vous l'avais dit quand j'avais quand je l'ai crash testé. Donc, voilà, ça, c'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps de préparation et tout ça, puisque ça met au moins 3 jours pour que je les tourne, vu que je fais 3 make-up ou 5, donc ça prend 3 ou 5 jours. Rien que de tournage, après, il y a encore tout le montage, la publication, tout ça, voilà. Donc, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de boulot, mais que j'adore faire. Donc, j'espère que vous aimez les regarder. Et je parle pour ne rien dire, tout à fait. Je suis épuisée, j'ai envie d'aller me coucher, j'ai envie d'aller faire une sieste, mais je peux pas, puisque là, dans 30 minutes, il faut que je parte chercher Georges, et après je vais chercher les petits, et après je rentre, et voilà. Quelle vie. Ma vie est passionnante, hein. Je vous avais prévenu que ça serait tout le temps la même chose, les vlogs. À la longue, je vais plus savoir quoi vous raconter. Hello. Alors là, il est 7h33, pour être très précise. J'ai fait tourner ma machine qui va essorer d'ici une quinzaine de minutes. Donc j'ai, pour l'instant, j'ai la lampe d'allumer, mais je vais tout éteindre, encore une fois, même si ça ne change pas grand-chose. Après, il faut que j'aspire mon poêle à pelet, que j'allume mon poêle à pelet, parce que je suis en train de me geler les miches façon Captain Igloo puissance 10 000. Il faut que je pende ma machine. Il faut que je fasse mes soins, brosser mes dents, comme d'hab, quoi. Et puis, aujourd'hui, je vais pas me maquiller, je ne pense pas, ou peut-être juste me maquiller, mais comme ça, quoi. J'ai pas de vidéo à faire, quoi. Je la ferai de celle de vendredi, je la ferai demain. Voilà. Donc là, je me suis dit, je vais vous faire un petit coucou avant que les plombs sautent et que j'ai à faire tout ce que j'ai à faire. Il faut que je lave mes pinceaux. Donc, une fois que j'ai pendu mon linge, je lave mes pinceaux, comme ça, ils ont bien le temps de sécher pour demain. Je peux pas me faire un petit make-up si les pinceaux sont brouillés. Enfin, j'en ai encore d'autres, hein, mais il faut que je monte les chercher et tout. Je sais pas, on verra bien comment je suis motivée. Et voilà, ma table est de nouveau encombrée de bordel de mes messieurs, alors qu'elle était rangée hier. Ça m'énerve. Vous aussi, c'est des bordéliques comme ça, là, qui vous verrez. Alors, je suis déjà pas très ordonnée, hein. Je suis quelqu'un de très bordélique, à part dans mon bureau. Quoique. Dans la partie que vous voyez du bureau, voilà, et dans mes produits. Parce que de l'autre côté, où il y a en face du bureau, il y a toutes mes ventes vintage. C'est un boxon. Ça, on triera dans un prochain vlog. On va ranger un jour quand je serai motivée. Hein. Je ne sais pas quand. Ça peut être fin d'année. Hein. Je ne sais pas trop. On va rendre vintage. J'ai un lot là pour 53 euros que je peux peut-être préparer aussi déjà. Enfin. La dame attend, elle m'a demandé de lui réserver, elle attend que son point relais soit dispo. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère qu'elle ne va pas me faire faux bon. Elle regarde tous les jours, donc j'ai un peu moins peur. Donc je vais peut-être lui préparer quand même, je vais lui mettre quelques petits cadeaux dedans, puisque voilà, quand il y a des montants comme ça, j'aime bien mettre des petits cadeaux. Et voilà, sinon, aujourd'hui, à part faire mes soins, je pense pas que je vais faire grand-chose. Ouh, j'ai mal au ventre. Puisque ma belle-sœur vient m'amener la voiture vers 1h30. Je dois aller chercher mon fils et ma nièce, qui est dans la même classe, à 2h20. Et à 3h25, je dois repartir chercher les petits. Enfin, ils sortent à 3h25. Donc, ça va être beaucoup de courir. Après, je dois attendre chez mon frère avec les petits qui rentrent du travail, puisque il a sa voiture aujourd'hui, normalement. Donc je dois attendre chez lui, après il doit me ramener, et puis monsieur rentre plus tôt aussi, parce que comme on a vendu ma voiture qui est en panne depuis 2 ans, mais il a paumé un papier qu'il faut pour pouvoir la vendre, donc il doit aller à la police avec l'acheteur et tout, tout a beaucoup d'elle encore une fois. C'est vraiment chiant, vous avez une voiture en panne et elle vous emmerde plus que quand elle n'est pas en panne, quoi. C'est un truc de fou, ça m'énerve. Alors déjà qu'on ne lui a pas revendu très cher, Ça m'énerve. Peut-être une voiture à 3500 balles, là, on l'a revendue 200 balles, quoi. C'est déprimant. Tout ça parce que la batterie est niquée et qu'il faut changer la batterie et regonfler les pneus, quoi. Mais bon, au moins, elle traîne plus là, parce que là, ça fait 2 ans qu'on paye la taxe d'immatriculation, l'assurance et tout, pour rien, pour une voiture qui dort là, qui prend une place de parking devant la porte. Voilà, au moins, on est tranquille. Ça fera 200 balles pour acheter une machine à laver juste après, hein. La semaine prochaine, il faut qu'on aille voir pour la machine à laver parce que j'en ai marre. Voilà, sinon,
Il n'y a rien d'autre de spécial aujourd'hui. Je vous prendrai juste un peu en papote. Je vais peut-être vous montrer mes Sims si j'ai le temps de jouer. Je vais voir si j'ai le temps de jouer, hein, parce que je ne pourrai rien. Je vais vous montrer un peu mes Sims, puisque dans le dernier vlog, quelques-uns m'ont dit qu'ils aimaient bien aussi et qu'ils voulaient bien voir pour les challenges. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas les challenges Sims. Moi, je suis à fond, je suis accro aux challenges. Hein. J'en ai plein dans ta mini. Le plus basique, c'est le 100 bébés challenge. Hein. Voilà, je vous mets les règles en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir celui-là. C'est le plus facile, le plus basique, celui que tout le monde fait, le plus long, enfin un des plus longs. Il y en a qui sont très longs, hein, mais après, moi, je suis vite gavée parce que c'est très redondant. Voilà, bon, comme à peu près tout le temps sur les Sims. Et l'autre sort fin du mois, là. C'est un pack à 10 euros, donc je pense que je vais un peu craquer et me l'acheter. Je vais attendre de voir cette fois-ci parce que le dernier là, que j'ai acheté, j'avais gagné un concours chez Cassiel. Pour l'avoir, et du coup, je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Je l'avais acheté en précommande à moins 30%, je crois. Donc, je l'avais eu à 17 euros à la place de 25, un truc comme ça. Je sais plus trop le prix. Je l'avais eu vraiment pas cher en précommande. Mais bon, là, avant de l'acheter, je vais quand même attendre de participer au concours de Cassiel et de Pouce, puisque je participe toujours à leur concours. Et j'en avais déjà gagné un. J'avais gagné les mini-maisons chez Pouce. Et du coup, j'avais gagné celui-là chez Cassiel, mais j'avais déjà la donne, donc... Je lui ai dit qu'elle refasse le tirage au sort, ça ne servait à rien. J'aurais pu demander le code et le donner à mes nièces, hein, mais autant le donner à quelqu'un qui joue vraiment, qui n'aurait pas su se l'acheter ou quoi. Donc là, je pense que je vais attendre. Et j'arrête pas de regarder pour le Brofreeze, le nouveau produit à sourcils d'Anastasia là, qui est sorti, enfin qui doit sortir dans la collection de printemps. J'aimerais bien le demander à mon frère ou à ma belle-sœur pour mon anif. Parce qu'il m'intrigue vraiment ce produit, j'ai vraiment envie de l'essayer. Et il n'est pas encore en vente chez Sephora, il est en rupture de stock chez Beauty Bay. Et le site Anastasia Beverly Hills, je ne sais pas si c'est UK ou US. Et du coup, je ne sais pas s'il y a des frais de douane. Donc, je n'ose pas dire à mon frère de passer par là, bien que c'est là qui soit le moins cher. Puisqu'il est à 22 euros sur le site d'Anastasia et il est à 26,95 je crois sur Beauty Bay, plus les frais de port. Donc ça fait 30 balles le produit. Quoi. Bon après, c'est le prix des produits sourcils d'Anastasia. Si c'est comme le Deep Brow Pomade, ça ne me dérange pas de les mettre une fois par an. Quoi. Voilà. Parce que Deep Brow Pomade, je l'ai jeté à la fin. Hein. Je l'ai utilisé pendant un an et demi et je ne suis jamais arrivé au bout. Donc, voilà. Bon, écoutez. On se retrouve un petit peu tout à l'heure. Alors, il est 9h27. J'ai pas chômé déjà depuis ce matin. J'ai fait tout ce que j'avais dit que j'avais à faire. J'ai lavé mes pinceaux, j'ai pendu ma machine, j'ai fait tourner à la vaisselle qui est terminée d'ailleurs. J'ai enregistré le montage du vlog de la partie de hier. Donc, j'ai pas chômé. Là, je vais me faire une pause make-up. Voilà, je vais me maquiller quand même. Je vous filme pas parce que je vous l'ai fait déjà dans un des anciens vlogs. J'en referai de temps en temps, mais pas à chaque fois. Là, je vais me mettre ici dans le canapé pour me maquiller en regardant la série de TF1, la promesse avec les petites filles qui disparaissent, là, avec Sophia et Saïdi. J'aime beaucoup Sophia déjà. Et ça, franchement, là, c'est les épisodes 3 et 4, je crois. Donc là, je vais regarder ça, puisque il passe le jeudi soir, mais j'enregistre tout et je regarde tout en décalé, moi. Hein. Je ne sais jamais faire comme tout le monde. Ça m'évite, je peux passer les pubs, donc ça m'évite les pubs. Et voilà, donc je vais regarder ça en me maquillant, et puis on verra quelle heure il est, parce que j'en ai au moins pour une heure et demie. Hein. Je prends mon temps en regardant ça tranquille. Et après, je verrai ce qu'il me reste à faire. Voilà, je dois détartrer encore mon ancienne Dolce Gusto, que j'ai toujours pas fait. Donc il faut, ce serait bien que je fasse ça cette semaine quand même, il faudrait peut-être que je me bouge un peu. Il est 10h41 et j'ai fini de me maquiller. Je viens seulement de lancer La Promesse en fait, puisque j'ai regardé Face au juge avant. C'est une émission belge, donc désolé pour les français, mais les belges doivent connaître, c'est trop génial, c'est des procès en direct, des procès qui se passent dans les tribunaux à Liège, et j'adore ça, j'adore les juges qui sont dedans, j'ai les mains gelées. Donc voilà, petit make-up super facile, super soft, super discret comme d'hab, quoi. Enfin discret, oui, c'est discret pour moi. C'était pour pas encore refaire du vert, parce que j'ai fait un peu beaucoup de make-up vert ces derniers temps, j'avais envie de changer un tout petit peu quand même.
Et du coup, j'ai mixé la mini Space of Life de Zoeva. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Donc, j'ai utilisé principalement les deux teintes marron mat. Enfin, marron et un peu bordeaux, comme ça. Le beige. En fait, j'ai utilisé que les mats. Ah non, et le petit ici. Prune ici. Voilà. Et j'ai utilisé quelques fards de la Sleek Green Jade. Donc ça, vous avez le swatch and makeup. Oui, c'est un cadeau d'Amy. Donc je vous mets dans le petit i. Et voilà. J'ai utilisé le marron mat ici, là. Et le petit lumineux doré pour mettre en coin interne et un petit peu en paupière mobile. Pour faire luminer mon make-up. Voilà. J'ai utilisé le liner essence en feutre que je dois terminer aussi. Bah ça va, il m'a fait, m'a pas fait de saloperie cette fois-ci. Par contre, il faudrait que je me coiffe un peu, enfin que je mette des pinettes pour tenir mes cheveux qui partent en cacahuète. Voilà, donc là, je vais regarder La Promesse en achevant mon café. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ce matin. Donc, je mérite un petit peu de repos. Et voilà. J'ai un Chico qui me regarde, qui a l'air de dire, mais à qui tu parles? Pourquoi c'est pas à moi que tu parles? Parce que j'ai pas envie de te causer. Voilà, je boude. T'es pas gentil. Mais ça fout, elle est heureuse, elle remue la queue quand même. Je crois que le chien veut sortir. Ah tchoum, mon propre, t'as le rhume? Où te faire rhume? Oh, bah mon pauvre bébé, il avait un rhume. Bon, ben je vais aller faire sortir le chien parce que sinon maintenant il va faire que des... Pour que j'y aille. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire pipi? Est-ce que tu veux aller faire pipi? Oui, d'accord. Bon, à tout à l'heure. Donc là, il est 13h. Je vais jouer une petite demi-heure le temps que ma belle-sœur m'amène la voiture. Donc je vous présente... je vais déjà vous montrer ma maison. En entier. Donc c'est tous des contenus téléchargés hein, dans la galerie. Moi je me casse pas la nénette à construire, sauf quand j'ai envie de construire. Alors là à ce moment-là je fais des constructions. J'en ai quelques-unes dans ma galerie. Hein. Je vous mettrai mon identifiant en barre d'infos. Je vous remets les règles du challenge aussi au cas où. Voilà, je l'ai trouvé très joli. La famille, pareil, je l'ai téléchargée. Bon bah sauf les enfants, puisque. Le but quand même... Oups, je vais vous faire bouger. Hein. Vous êtes collé à moi, là. Le but premier est de faire des enfants. Donc, dans les règles de base, vous avez quatre sœurs. Donc ici, c'est les quatre éléments, en fait. Donc ici, le feu est représenté par celle-ci qui s'appelle donc Ginny Fire Immortalis. Ensuite, vous avez l'eau qui est représentée par celle-ci. Qui est Aquamaria, si j'ai pas de bêtises. Voilà. L'air qui est représenté par Sky ici, qui est juste devant le frigo, donc on va pas bien la voir. Et c'est ma préférée des quatre, elle est très jolie. Et donc la Terre qui est représentée par Terra, qui est la famille, elle aussi téléchargée. Hein. Donc le but est normalement chaque sœur a sa fonction. La rouge est celle normalement qui fait les enfants, donc moi j'ai gardé ce principe là. La bleue est celle qui s'occupe normalement des enfants, nourrissons, jusqu'à bambins, jusqu'à ce qu'ils soient enfants. Qui après c'est elle qui les forme, qui leur apprend des choses et tout ça. Et celle-ci est censée s'occuper de la pêche, du jardin et tout ça, puisque il y a deux des quatre sœurs qui ont le droit de travailler, mais pas toutes. Donc, vous voyez pas mon budget, mais j'ai presque 100 000 simflouz. Donc, moi, je suis plus dans le caca. Hein, ça fait déjà quelques enfants qu'on a. Je vais essayer de vous montrer l'arbre généalogique. Par contre, je ne sais plus c'est où. Ici. Donc, voilà, on a déjà eu 2, 4, 6, 8 enfants. Et elle est enceinte de son 9e. Donc le seul truc que moi j'ai changé, c'est que bah, déjà, je les ai fait en sorcière. Je ne sais pas si vous avez la donne ou pas. Pour qu'elles puissent avoir la potion d'immortalité, en fait. Potion d'âge éternel. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé carrément le vieillissement. Puisque le but premier est,
je vous montre le monde, et de peupler toute la map avec la famille des sorcières. Voilà. Enfin, des sorcières, des immortels, quoi. Et donc, je me suis dit, si j'enlève pas le vieillissement, en fait, ceux-là vont mourir au fur et à mesure que je vais en faire des nouveaux. Donc, j'arriverai pas à remplir vraiment toute la map. Donc là, je suis à Newcrest parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué sur ce quartier-là. Et ici, j'ai une par maison, puisque c'est des mini-maisons. Ici, il y en a deux, puisqu'il y a deux lits dedans. En fait, je regarde le nombre de lits qu'il y a dedans. Ici, il n'y en a qu'un, mais il y a encore deux lits. Donc, je vais mettre les deux prochains enfants qui vont grandir dans cette maison-là, jusqu'à ce que toute la map soit avec des petites icônes vertes pour dire que c'est des personnages que j'ai joués. Voilà. Donc, les maisons se peuplent automatiquement. Elles se repeuplent automatiquement, mais je vire les gens, en fait. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai deux lits. Donc, il y aura deux personnes qui pourront habiter dedans. Ici, bon, c'est plus marqué parce qu'il y a quelqu'un, mais on verra quand on vire. Ici, il y a sept lits, je crois. C'est carrément c'est un semblant d'appartement. Et une fois que j'aurai fini Newcrest, eh ben, je vais m'amuser à faire toutes les maps, quoi, en recommençant par Willow Creek, Oasis Spring, Newcrest, ça sera déjà fait, Magnolia Promenade, on peut pas, Windenburg, San Muccino, Forgotten Hollow. Après, je vais peut-être commencer par Glimmerbrook et Forgotten, puisqu'il y a moins de il y a moins de terrain. Voilà, mais je vais m'amuser à repeupler toutes les maps avec ma famille d'immortels. C'est pour ça que j'ai enlevé le vieillissement automatique des Sims, parce que sinon, ils vont mourir. Donc ça va pas, s'ils meurent, je peux pas peupler le monde entier. Donc pour du coup, comme le vieillissement est inactif, pour faire vieillir les enfants, je fais à peu près comme dans le 100 bébés challenge. Au début qu'il est sorti, puisque je le fais depuis très longtemps, ce challenge-là que je recommence en boucle et que je termine jamais parce que ça me saoule, pour qu'ils soient, quand ils sont bébés, donc là j'ai plus de tout petits bébés, mais j'attends 2 jours, donc 48 heures Sims en fait, pour les faire grandir, puisqu'on n'a pas de notif d'anniversaire. Hein. Quand ils sont bambins, il faut qu'ils aient 3 dans chaque compétence, voilà. Quand ils sont enfants, il leur faut un A à l'école. Quand ils sont ados, pareil, il leur faut un A à l'école. Une fois qu'ils ont leur A, je les fais vieillir avec un gâteau d'anniversaire. Et une fois qu'ils sont jeunes adultes, je les vire dans une autre maison. Voilà, tout simplement. Sinon, comment j'ai gagné mes sous? Bah, principalement avec le jardin qu'il faut qu'elle vienne entretenir, mais elle dort. Pourquoi elle dort à cette heure-ci, elle? Principalement au début avec le jardin. Donc pour acheter la maison, j'ai fait le code de triche, hein, Free Real Estate. Là. Elle s'est mise à l'écriture. Donc elle a vendu des bouquins et avec le tricot aussi, puisque j'ai le kit tricot. Donc là, j'ai plus rien à vendre puisque j'ai beaucoup d'argent. J'ai plus besoin de gagner de l'argent maintenant. Donc là, je suis en train de faire pour qu'ils aient la garde-robe complète avec les objets de tricot. Ah oui, alors mon Sims là s'appelle Carabaf. Donc en fait, ils ont tous des noms de Pokémon. Je les mets dans l'ordre, hein, fille ou garçon, je m'en fous. Ici, c'est Carapuce. Et ici, nous avons Dracaufeu. Je vous mets aussi en barre d'infos, du coup, la liste de tous les noms de Pokémon. En fait, c'est Cassiel qui fait ça sur sa chaîne Sims. Elle utilise les noms de Pokémon parce que... il y a tellement, tellement, tellement de Pokémon que du coup, vous ne pouvez pas tomber à court de prénoms pour vos Sims, quoi. Donc, ça, c'est génial. Du coup, je lui ai piqué l'idée et je viens de commencer seulement avec ceux-ci. Avant, je faisais les personnages de série, mais je dois me souvenir des séries, des noms, les noter et tout ça. Puis, comme ça fait plusieurs fois que je donne les mêmes noms, j'avais envie de changer un peu. Donc là, avec les Sims, je trouve ça trop marrant. Bon, avec les Pokémon. Il va être 14h, il est 13h53. Je vais aller me chercher un pull bien chaud pour aller chercher les petits à l'école. Je vais d'abord aller chercher mon grand et la grande chez mon frère, puis je reviens. Et après, je vais aller chercher juste mon neveu, puisque ma filleule est malade, elle est chez elle, elle n'a pas été à l'école. Après, je vais rentrer chez mon frère, l'attendre, et tout ça, tout ça. Donc là, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ai montré un peu mes Sims. J'espère que ça vous plaira, ça change un peu, hein. Et je vais essayer de ne pas oublier de tout vous mettre en barre d'infos. Donc
Le challenge des 4 sœurs immortelles, la liste des noms des Pokémon, la liste de tous les challenges. Et voilà, si vous voulez vous amuser. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous commencez des challenges ou quoi, me dire lequel vous avez commencé, si c'est un autre que moi, me dire s'il est bien et tout ça, comme ça je sais quoi faire après. Et vous pouvez également me partager vos familles, des photos de vos familles si vous voulez, si vous jouez aussi. Voilà, voilà, une prochaine fois je vous montrerai peut-être un peu Guild Wars, puisque en ce moment j'ai envie de me remettre aussi un petit peu à Guild Wars, donc voilà. Je sais pas quand, mais un jour probablement. Je switch hein, entre plusieurs jeux, donc entre ces deux jeux-là notamment. J'ai eu ma période World of Warcraft aussi, mais ça m'énerve parce que c'est payant. Et c'est payant au mois calendrier et pas au mois de jeu. Donc c'est chiant parce que si je joue que 3 jours sur le mois, bah, j'ai dû payer tout un mois. Et si je joue pas après pendant le reste du temps, j'aurais payé pour rien. Donc je ne joue plus à World of Warcraft. Guild Wars, les graphismes sont beaucoup plus beaux. Il est quand même super bien coté par rapport à... Enfin, Guild Wars 2, hein. Par rapport à World of Warcraft, c'est juste qu'il y a plus de joueurs sur WoW parce que c'est plus connu. Alors que l'autre est gratuit et que l'histoire est super. Les graphismes sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je crois que c'est un des plus beaux MMO que j'ai pu jouer. Donc, voilà. Et voilà, donc je vais arrêter de causer et de dire voilà, et je vais aller me chercher un pull, mettre mes chaussures et aller chercher déjà Georges et Cassie. Comme ça, ça sera déjà une bonne chose de faite. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour vous, mais demain pour moi, et je pense que la journée sera déjà pas mal aujourd'hui. Alors, il est 8h23, j'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà brossé mes dents et tout ça, tout ça. Là, je vais me préparer, je vais faire mes sourcils pour aller faire ma vidéo de vendredi, du coup, qui sera donc le challenge des mots imposés. Voilà. Et du coup, j'ai déjà humidifié mon savon et j'étais en train de me dire il faut que je vous dise. Je vous disais hier que j'avais très envie de tester le Brew Freeze là, de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je l'ai commandé hier. Voilà. J'ai demandé à mes deux gardiennes de mon budget, qui sont Amy Manon, hein, bien évidemment, si je pouvais craquer ou pas, ou si j'attendais pour demander à quelqu'un de me l'offrir pour mon anniversaire et tout ça, tout ça. Et en fait, comme pour moi, le mois dernier, j'ai dépensé moins de 20€ pour moi. Et elles m'ont dit toutes les deux, écoute, tu peux quand même te faire un petit plaisir de temps en temps. Parce que ce produit-là, j'avais vraiment, vraiment envie de le tester. Après, comme dirait Manon, c'est une obsession chez moi, les sourcils. Hein. C'est mon péché mignon, qu'elle a dit. Donc, voilà. Donc, maintenant, je l'attends. Je vous ferai un... Il y a le chat qui vient voir avec qui je discute. Je vous ferai la vidéo. On le testera ensemble. Je vous ai demandé sur Instagram, mais ça vous a tous intéressé. Donc, on testera ça ensemble. Et voilà, voilà. Donc là, je l'attends, je pense, lundi. Je l'ai commandé sur Cult Beauty. Puisque sur Sephora, il n'est pas encore dispo. Et sur Beauty Bay, il était déjà out. Mais je pense qu'il est out parce que seulement la collection va arriver. Qu'ils ne l'ont pas encore mis en vente, en fait. Voilà. J'avais pas envie d'attendre. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de tester ce produit. Alors déjà, il m'a intrigué quand il y a eu les reveals et tout ça de la nouvelle collection. Parce que c'est quand même Anastasia, c'est quand même The Queen of the Sourcil. Donc voilà, le Deep Brew Pomade, je l'ai utilisé pendant un an et demi consécutif, mais je l'ai utilisé pendant plusieurs mois avant de le laisser un peu de côté. Mais je l'ai eu pendant 3-4 ans, je crois. Et alors, oui, c'est pas donné à l'achat, mais je l'ai utilisé tellement longtemps que je me dis si celui-là ça dure longtemps aussi, bon, ça durera moins longtemps qu'un savon comme ça, hein. Celui-là ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise le même et n'a pas fini encore, hein. Mais voilà, on testera si c'est plus facile parce que bon, si vous les faites au savon, ça prend quand même du temps, c'est pas la méthode, la technique qui va le plus vite au monde, quoi. Il faut bien les placer et tout ça, tout ça. Donc on verra bien, j'ai hâte de tester ça et de voir combien de temps il va faire sur la durée. Donc là, je l'ai commandé sur Cult Beauty. Il était à 24 livres, je crois.
Donc j'ai payé 27 euros. Voilà, j'ai dépensé que 10 euros de ce que j'avais mis de côté. Bon, après, j'ai encore pas beaucoup de côté. J'avais mis 85 euros de côté sur le mois de janvier. Bon, après, on est que le 20 janvier là. Donc, c'était déjà pas mal. J'ai encore des ventes Vinted. Enfin, j'ai des réservations Vinted. Donc, j'espère que ça va vite se faire. Et j'ai pas décompté ma monétisation encore depuis du mois de décembre et donc janvier. Mais bon, janvier là, c'est la dèche. Hein. Question monétisation. Pour l'instant, je suis à 25 euros, je crois. Alors que d'habitude, j'ai au moins mes 70 euros par mois, là. La passe, moi, si. C'est la dèche. Donc, j'espère que ce sera mieux le mois prochain, on verra bien. Mais là, demain, ils vont faire le paiement. Donc, j'aurai 200... Je crois que j'ai 226 euros, là. Je vais décompter. Parce qu'il me faut quand même un peu de sous. Au cas où, justement, pour ce genre de petits achats et tout ça, puis mettre de côté, j'aime bien avoir mon compte monté, que je sais que je me prive pour quelque chose de concret. Voilà, donc ce sera le gros achat de l'année, je pense, enfin de ce début d'année, même si je m'en autorise un ou deux sur l'année, comme d'hab, je peux pas rester sans acheter non plus rien du tout, quoi. J'essaye déjà de limiter au maximum les dépenses inutiles. Mais là, ça... Alors, c'est clair, c'était pas indispensable puisque j'ai un stock de savon incroyable. Mais on verra bien. Ouais, j'avais envie de l'acheter. Et je pense que je pouvais largement me l'acheter. Donc, on testera ça en vidéo. Et je voulais vous dire aussi, je reçois plein de messages pour mon anniversaire. Qui est le 11 février, hein. Je viens de vous cogner, n'est-ce pas? Alors, c'est adorable de votre part, j'en ai plein qui me demandent mon adresse pour pouvoir m'envoyer un cadeau. C'est adorable de votre part, hein. je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas là pour que vous m'envoyiez des cadeaux. C'est vraiment gentil d'y penser et tout ça. Je préfère que vous fassiez plaisir à vous plutôt qu'à moi. En soi, j'ai besoin de rien, faut pas non plus. Je fais pas ça pour que vous m'envoyiez des cadeaux et en plus faut pas se voiler la face, je vais pas donner mon adresse à tout le monde non plus. Il y a que vraiment très peu d'abonnés qui l'ont. Enfin, je crois qu'en abonné, il y a que José qui l'a déjà eu parce qu'elle me suit depuis très longtemps et quand le fixateur et la base action étaient sortis, elle les avait trouvés, elle me les avait prises et elle m'avait demandé mon adresse pour me les envoyer. Donc là, c'était vraiment minime, vous voyez, j'étais moins gênée que de recevoir quelque chose. Mais après, je crois que vous avez commencé à comprendre que je suis assez gênée quand je reçois quelque chose de la part de quelqu'un. Voilà. Donc c'est adorable de votre part, je vous remercie d'y penser, d'en avoir envie et tout, c'est vraiment génial. Et maintenant, si vous voulez vraiment me faire un petit geste, me faire plaisir et tout, il y a la cagnotte Tipeee, le lien est en barre d'infos. Donc allez mettre un euro dessus, ça c'est largement suffisant pour me montrer que vous aviez envie de me faire un cadeau. Et voilà, moi ça m'aide à mettre de côté pour refaire mes dents. Et je trouve ça déjà très bien, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà pour ça. Moi je vais aller faire ma vidéo, je vais d'abord nettoyer mon dessous de sourcil pour le savon qui a un petit peu débordé. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai acheté dans le dernier vlog, vous avez vu mon petit retour action, là, quelques achats action que j'ai fait. Et j'avais trouvé la brume eau de rose, la brume hydratante. Mais en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans la bouteille. Sauf qu'il y en a moins. Je vais vous montrer. J'ai les deux ici, puisque j'ai presque fini ma bouteille. Donc vous avez l'eau de rose comme ça que j'utilise depuis plus d'un an maintenant, je crois, en 300 ml. Et le spray là que j'ai trouvé donc en vaporisateur de 150 ml. Donc il y a la moitié dedans et je crois que l'eau est moins chère à l'achat. Je ne connais pas les prix par cœur. Hein. Et j'ai regardé les compos et en fait c'est exactement la même chose, sauf que dans celui-ci il y a un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu d'alcool. Hein. Il est placé en avant-dernier dans la compo, donc qu'ici il n'y a pas. Voilà.
Ou sinon, c'est exactement la même chose, exactement le même ordre d'ingrédients, donc c'est la même quantité. Donc voilà, c'était pas. Là, c'est un toner, là, c'est une brume, mais c'est exactement la même chose en soi, donc c'est un peu dommage. Je pensais vraiment qu'il y aurait un petit côté un peu plus hydratant dans celle-ci et que je pourrais m'en servir comme brume hydratante. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que la brume hydratante, oui, c'est toujours de l'hydratation en plus, mais ça m'ajoute une étape à mes soins que j'ai pas forcément besoin. Donc, une fois que j'ai fini mes brumes, je pense que je vais sauter cette étape-là. Et voilà. Donc là, mes sourcils sont on fleek et puis on va pouvoir aller filmer. Enfin, il faut que j'attende que le chien y rentre parce qu'il est couché au fond du jardin. Ah non, il est plus là. Alors, soit il a couru après quelque chose vraiment tout au fond du jardin, soit il est en train de revenir pour que je ouvre la porte. Alors aujourd'hui, à part faire ma vidéo, il voulait rentrer. Attends 2 minutes, propos. Je vais aller lui ouvrir, sinon il va faire un caca merde. Donc, je disais, aujourd'hui, à part faire ma vidéo, ça va être principalement tournage, montage, publication, et tout ça, tout ça. Donc ça va pas être très intéressant pour vous puisque je vous ai déjà montré un peu. Genre, il rentre à 13h, enfin vers 13h. Donc après, quand il rentre, le chien monte se recoucher. Quand il rentre, on va manger un bout. Et puis je sais pas si je vloguerai avec lui l'après-midi un peu parce qu'il m'a demandé, c'est quand c'est hier, voir si je faisais un vlog et tout ça pour vous dire bonjour, je pense, je sais pas. Je crois qu'il a pris goût à se péter un crust un peu dans les vlogs et compagnie, dans les vidéos et dans les lives. Hein, vous avez déjà bien remarqué dans les lives, on le voit pas mal. Et Enzo commence un nouveau boulot ce matin. Là, il vient de commencer il y a 30 minutes, il commence à 8h. Donc voilà, on croise les doigts. C'est de l'intérim encore. Mais c'est pas plus mal pour lui, comme ça il est payé la semaine, et en espérant que ça débouche sur quelque chose de plus concret par après, hein, puisque c'est pas évident de trouver du boulot dans le contexte actuel. Donc là il déprimait un peu parce que ça faisait un mois et demi, 2 mois qu'il ne travaillait plus. Donc il était un peu énervé. Un peu. Ouais, il avait vraiment pas le moral ces derniers temps, et là, là il a retrouvé ce boulot là, donc il est content. Après il a beaucoup insisté, donc c'est bien, je suis contente, je suis fière de lui et j'espère, on croise les doigts pour lui pour que ce soit un boulot plus régulier et plus long dans le temps, qui pourrait déboucher sur un CDI, ça serait vraiment génial. Donc là j'attends, il va m'appeler ce soir pour me raconter sa journée, ce qui fait 8-16 aujourd'hui, et après le reste de la semaine il fera 6-2, donc voilà, c'est pour être préparateur commande, magasinier préparateur commande, donc il aime bien ça. C'est tout très bien comme ça. Et voilà, il ne faut pas que j'oublie d'aller. J'ai un pull que je dois prendre les mesures pour Vinted. Donc je vais préparer ça avant de faire ma vidéo. Comme ça, je prends les mesures. Oh, ben, je vais prendre mon mètre avec et mesurer ça en haut. Comme ça, j'envoie tout de suite à la madame. Voilà. Donc je vous reprends peut-être tout à l'heure, sinon ça sera demain, mais je sais pas encore comment ça va, comment la journée va se goupiller. Donc moi je vais aller filmer ma vidéo. Il fait un peu sombre, j'ai pas la grande lampe allumée et dans ma maison il fait très sombre. Il est 11h06, donc je suis en train de faire le montage de la vidéo de vendredi et je m'éclate. De toute façon vous l'avez déjà vu, c'est celle avec les mots imposés. Et à chaque fois que je dois mettre un petit holding, je m'éclate. Voilà, ça, il m'en faut peu pour être heureux, hein, mais ça m'éclate. C'est le genre de truc qui m'éclate à faire quand je... Quand il y a des montages qui prennent un peu plus de temps, comme ça, un peu plus de travail, j'adore. Voilà. Donc, là, je vais donc faire mon montage. Le temps que ça enregistre, je vais couper mon savon, puisque j'ai ma savonnette où je nettoie mes pinceaux qui est cassée. Donc, je vais la couper en petits morceaux pour mettre dans mon petit pot à savon que je ferai fondre quand il sera plein. Voilà, voilà. Et à 13h, Georges y rentre. J'ai plus qu'à attendre Georges. Et puis, on mangera un bout tous les deux. Je vais l'attendre quand même pour manger. D'habitude, je mange vers 11h30. Puisque comme je suis debout très tôt, forcément, mon corps est plus... plus vite actif. Puisque, en principe, je suis très motivée le matin. Et puis après, je fous rien de l'après-midi. Et voilà. Donc bah, moi je vais continuer ça à m'éclater. Voilà. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc
vous, quand vous verrez le vlog, vous aurez déjà les retours, j'aurai déjà eu vos retours sur la vidéo, mais là, je ne les ai pas encore. Et c'est ça que j'adore, justement, dans tout ça, c'est le fait de me dire « Oh, ça m'éclate, j'espère que ça leur plaira autant que moi, ça m'a plu de la tourner, de la monter, de la publier et tout. » Voilà, voilà. Je suis joie aujourd'hui, je suis joie. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre de spécial à vous dire. Si, Amy vient de me dire qu'elle avait commandé mon cadeau d'anniversaire. Elle m'énerve. Voilà, bref. Bon, moi, je continue. Et puis, on voit tout à l'heure si Georges voulait un peu s'afficher. Alors, je suis en train de commencer ma journée avec des mélanges de chimistes et des calculs de scientifiques. Alors déjà, je vous conseille pas du tout l'eau de rose en spritch là. Je l'ai transvidée dans ma bouteille qui était terminée. Parce que vous avez la moitié de la contenance pour le même prix. Il me semble qu'elle est au même prix. Le spray est hyper violent si vous vous spritchez directement sur la face. Et si vous essayez de spritcher sur un coton, ça humidifie pas assez le coton. Donc ça nettoie pas assez à mon goût. Donc moi, je l'ai retransvidé dans ma bouteille classique. Seconde mixture, je vous montre. J'avais fini mon sérum de chez W7, je vous l'avais dit, et je l'ai remplacé par celui-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent avec, que j'avais gagné chez Lily Muse. Il est bien, le produit en soi est bien, mais il est hyper, hyper, hyper liquide. C'est de la flotte, le bazar. Donc si vous en mettez dans la main, ça coule à travers les doigts, même que vous les serrez très fort, hein, je vous le garantis. Ça fait une semaine, voire deux, maintenant que j'essaye de trouver une solution. Donc c'est à l'huile à la noix de coco de Madagascar. Et du coup, j'ai transvidé la moitié du Hologlow de chez Action. Puis après, j'ai refait une tambouille donc, pour qu'il soit un tout petit peu plus aqueux. Mais il n'est pas plus aqueux, hein. Il est encore très liquide, mais il passe un peu moins entre les doigts, quoi. Donc voilà, je vais l'utiliser en mixant les deux. Donc dans celui-ci, il y a dans les deux, en fait, c'est le même contenu à la moite-moite des deux. Donc je vais utiliser les deux là maintenant en priorité. Après, les petits formats 20 ml, comme ça va super vite. Hein. Et mon calcul savant, c'était pour la poudre Sephora. Donc elle est à 14,99€, donc 15€ quoi pour 8 grammes. Et je voulais voir avec la Révolution Pro, parce que j'aime bien aussi la Révolution Pro. Mais là, il n'y a que 5 grammes, donc c'est la même contenance que la Too Faced. Pour 10,99€, donc 11€. Et là, j'ai regardé, ça revient à 2,20€ le gramme. Tandis que la Sephora revient à 1. Oh, attendez, j'ai fermé ma calculette sur mon téléphone. La poudre Sephora en 5 grammes par exemple reviendrait à 9,36€. Donc elle est moins chère. La Sephora est moins chère que la Révolution. J'ai quand même comparé moite-moite sur la face l'effet des deux, juste pour savoir. Mais voilà, la Sephora revient moins chère. Révolution, faut pas croire que c'est pas cher à l'achat, mais c'est pas forcément le moins cher. Même que j'adore leurs produits, ils ont gonflé leur prix aussi sur certaines choses. Notamment avec les gammes Révolution Pro, XX et tout ça. Mais il faut surtout regarder leur contenance, parce que leurs contenances sont vraiment rikiki chez eux. Donc c'est pour ça, je calcule toujours tout parce que pour trouver au moins cher. Et là, je déculpabilise d'acheter ma poudre à 15 balles, en sachant qu'elle me revient moins cher que la Révolution. Après, il faut que je la compare à la Essence. Parce que la Essence a quand même un tout petit côté lissant, si je me souviens bien. Ça fait hyper, hyper, hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc il faudrait que je compare. Après, ça me fait chier de rentamer une poudre pour comparer, quoi. Mais il faudrait quand même que je le fasse pour être sûr. Parce qu'à ce moment-là, si la Essence, elle fait à peu près la même chose. Mais j'aime vraiment bien l'effet de cette poudre. Elle lisse vraiment les petites ridules et tout ça. Parce que j'ai pas de problème de pore apparent, mais des ridules, j'en ai. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour le petit réveil scientifique. Sinon, programme de la journée, là j'ai fait mes soins, donc je vais attendre une petite demi-heure maintenant que ça pénètre correctement. Et je vais aller tourner ma vidéo de lundi parce qu'il faut que j'anticipe mes vidéos. Parce que février, j'ai plus de vidéos et j'en ai qui se préparent un peu plus. Donc voilà. Je vais chercher les enfants tout à l'heure, donc ma belle-sœur m'amène la voiture vers 1h30, 1h30. Et après, je dois aller chercher les enfants, mais je dois aller juste chercher les petits aujourd'hui. Je ne veux pas courir deux fois.
Mais après, je vais aller chez mon frère pour le temps qu'il rentre du travail. J'ai fini mon petit café. Donc après, je vais aller chez mon frère le temps qu'il termine le travail et qu'il me ramène, à moins qu'il rentre en même temps et que chérie sache venir me rechercher en rentrant du boulot. Enfin, c'est tout un bordel. Comme d'hab, quoi. Par contre, demain, je vais courir deux fois. Je vais aller chercher la plus... Enfin, Cassie et après les petits encore. Donc, demain, ça sera un peu plus de courir. Par contre, la semaine prochaine, je vous prendrai plus tard dans le vlog parce que je vais vlogger samedi exceptionnellement. Puisque je vois Manon samedi prochain. Donc, d'abord, je vais lui demander si ça ne dérange pas. Je pense pas. Bon, ça sera pas. Je ne vais pas vous filmer toute la rencontre parce qu'on se voit déjà qu'une heure en gardant les distances de sécurité, en extérieur, dans le froid. Mais on va se voir, quoi. Voilà, c'est le principal. Elle va me donner mon cadeau d'anniversaire. Je me demande ce que c'est. Donc bien sûr vous aurez une vidéo où je teste mes produits mes cadeaux d'anniversaire suivant si j'ai eu assez de make-up. Sinon je vous montrerai juste ce que j'ai eu dans un vlog, je pense. On verra bien. Mais j'ai hâte de la revoir. On s'était vu en octobre pour l'échange des swaps. Et là on se revoit ce mois-ci. Après on a dit qu'on essaierait de se voir au moins une fois par mois ou tous les deux mois. Parce que bon, on a beaucoup de routes hein, l'une de l'autre. On est quand même à 2h30, je crois. Donc là, on fait à peu près une heure chacune de route et on se retrouve à Bastogne, où ma maman habite. Et du coup, avant, on va manger chez ma mère, que j'ai pas vu depuis des mois. Sauf que c'est chérie qui doit faire ses boulettes sous ce chasseur. Il faut que je lave mes cheveux aussi, hein, et ils sont un peu gras, là. Ouais, ce serait temps de les laver. Donc, voilà, je pense que je vais les laver ce soir. Comme ça, je fais des tresses et j'ai les cheveux ondulés pour demain. Vous aimez bien quand je fais ça, que j'ondule mes cheveux avec des tresses et je... Quoi? Tu te demandes à qui je parle, hein? Bah oui. Je suis en train d'empêcher mon chien de refaire sa sieste du matin. Et attendre jusqu'à 8h, l'heure de... Oui, je sais même pas si je vous ai dit l'heure. Enfin, là, il est 7h39. Le temps que mes produits pénètrent tranquillement. Et puis, je pourrais faire mon teint et monter faire ma vidéo. Donc vous aurez vous demain, qui est une palette, un make-up cette fois-ci. Oui, parce que j'ai décidé d'alterner les vidéos du lundi, les vidéos make-up. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, hein. Je verrai ça au montage des jours, des jours suivants. J'ai décidé d'alterner, donc vous aurez une fois une couleur 5 make-up, une palette, un make-up et une palette 3 looks. Voilà, comme ça, c'est pas tout le temps la même chose niveau format de vidéo. Après, les make-up risquent d'être très régulièrement les mêmes. Hein. Je vous ai déjà expliqué, je ne peux pas faire 15 000 formes différentes. C'est juste des associations de couleurs et des choses comme ça. Donc voilà. Donc là, lundi, demain, vous avez une palette, un make-up. Ceux-là seront en parler, puisque vous n'aimez pas quand je fais en musique. Hein. Vous préférez quand je parle, mais bon, je vous dis, une palette 3 looks et une couleur 5 make-up, là, je suis obligée de les faire en musique. Parce que ça serait beaucoup trop long, même si ça en dérange pas certaines que la vidéo fasse 3 heures. Moi, ça me dérange parce que c'est très chiant après à enregistrer le montage et uploader. Ça me prend 3 jours. Et puis, je m'éclate moi, quand je fais les montages en musique avec les transitions et tout ça. Donc, puis, c'est plus facile aussi. Quand je suis un peu flagada, vous le voyez moins à ma façon de parler. Donc, voilà, voilà. Donc là, qui dit cheveux, qui commence à graisser, dit bandeau pour la vidéo. Voilà. Et je vais aller me refaire un petit café en attendant. Et puis moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Petit spoil de la vidéo de demain, enfin du make-up de la vidéo de demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé avec quelle palette j'ai fait ce make-up. Voilà. Là, j'ai mis du gloss, puisque comme tout à l'heure, j'allais chercher les petits à l'école. Je vais devoir mettre le masque, donc comme ça. Il sera parti d'ici là, n'est-ce pas? Et je serai moins emmerdée avec le masque. Voilà, voilà. Donc là, j'ai testé la poudre. Ici, c'est Sephora. Et ici, c'est la Révolution Pro. Et je vois pas de réelle différence. Ça a filé un peu plus sur le front, dans mes ridules du front, du côté Révolution. Sinon, mon teint est bien poudré, bien mat.
Je sens pas qu'il y ait plus d'hydratation de ce côté-ci alors qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. La peau est pas hyper plus floutée de ce côté-ci. Donc écoutez, bien sûr, j'ai déjà presque plus de fond de teint au côté du nez puisque j'arrête pas de me moucher. Je vois pas de réelle grande différence. L'autre, la Sephora poudre un peu mieux puisqu'elle est un peu moins compressée dans le pan, mais ça je vous l'ai déjà dit par rapport à la Too Faced. Voilà, donc rapport quantité-prix et qualité-prix, la Sephora reste la moins chère. Voilà, vous avez ma petite comparaison. Il faudrait que je teste avec la essence. Donc je pense que demain je vais tester ça avec la essence. Ça m'emmerde de rentamer une poudre alors que j'en ai plein à terminer, mais au moins je serai fixée. Ouais, je vais faire ça. Là je viens d'utiliser le crayon Bella Pierre que j'avais eu dans le swap avec Manon et je l'aime pas du tout. Enfin là j'ai dû remettre le pigment pommade par dessus puisque j'ai oublié mon crayon bourgeois en bas. Il marque pas du tout la muqueuse. Voilà, je l'aime pas du tout. Désolée Manon, mais je l'aime pas du tout. Donc je vais ranger mon petit bordel, aller attaquer mon montage. Mes cheveux, c'est la guerre. Entre mes cheveux et mes sourcils en ce moment, c'est la guerre totale. Mais ils m'en veulent tous. Bouh. Voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Il va falloir que je mange un bout aussi pour. Là, il est que 9h59, il est 10h. Donc je vais attendre encore un peu. Tant que mon montage va enregistrer, je vais regarder mes épisodes de Ici Tout Commence et Demain Nous Appartient de hier. Puisque comme hier, monsieur a regardé le foot, j'ai pas pu regarder mes séries. Donc je vais les regarder maintenant pour pas être en retard pour ce soir. Et voilà, je continue à préparer un petit paquet pour Amy, là, que je vais lui envoyer le mois prochain, je pense. Donc, le Bella Pierre ira dedans aussi, le Blush Nyx que je vous ai parlé la dernière fois aussi. Je ne sais pas encore, je vais regarder un peu, je vais refouiller, je vais faire un mini décloteur, puisqu'en sachant que j'ai le swap qui arrive bientôt, dans 15 jours, même pas, dans 9 dos de dos. Du coup, je vais revoir encore des nouveaux produits, donc... Je referai un certainement après le swap. Ça, je fais souvent après les swaps ou les cadeaux d'anniversaire et tout ça. Et comme là, il y a mon anniversaire plus le swap, il va falloir que je décluteur un petit peu pour pouvoir ranger ce que je vais avoir. Voilà. Et pas avoir trop de produits en stock. Donc là, il est midi 29, midi 30, quoi. La vidéo de lundi est en train de charger sur YouTube. Il faut 50 minutes quand même pour une vidéo de 11 minutes, je crois. j'ai mangé. Je vais plus oser vous dire ce que je mange, mais j'ai mangé. J'ai dézoomé peut-être un peu, non? Voilà. J'ai mangé des croquettes au fromage. Oui, encore. Croquettes au fromage dans du pain. En fait, pour ma défense, j'avais envie d'œufs. Mais j'ai plus d'œufs. Il faut que j'aille aux courses. Et je... oui, mon homme n'a pas eu ses tickets restaurant. Étrange. Il faut qu'on aille aux courses absolument. Je ne sais pas quand. Donc, on attend les tickets restaurant de monsieur. Mais j'ai plus d'œufs. Donc, j'avais envie d'œufs. Mais du coup, je me suis rabattue sur les croquettes au fromage. C'est pas bien. Je sais. Donc, là, j'attends que ma belle-sœur m'amène la voiture. D'ici 30 minutes, 1 heure, elle va m'amener la voiture pour que j'aille chercher les petits tout à l'heure. J'ai plus de gloss, donc ça collera pas derrière le masque. C'est très bien. Et voilà, la journée, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai regardé mes deux feuilletons en mangeant. Et maintenant, je dois aller laver mes éponges, enfin mes blenders et mon goupillon pour demain si je veux filmer. Je vais certainement filmer d'ailleurs la vidéo. Ah, le Disney Challenge le mercredi prochain. Je pense que je vais tourner ça, parce que j'essaie de les tourner quand même dans l'ordre. Hein. Et voilà. Sinon, je ne vais rien faire de particulier de la journée. Donc, je pense que je vais vous laisser là aujourd'hui. Là, je vais aller voir dans ma boîte aux lettres si jamais j'aurais reçu un de mes deux colis AliExpress qui me manque, mais je doute. Ils sont encore marqués en Chine, je crois. Donc voilà, et j'espère demain, avec de la chance, avoir demain mon produit à sourcils Anastasia pour pouvoir le tester au plus vite. On testera ça en vidéo, mais je ne sais pas pour quand. Si jamais je l'ai demain, je peux vous le faire pour samedi, je pense, en vidéo bonus. Sinon, ça ne sera pas avant vendredi prochain.
ou alors en bonus, je sais pas. Je vais voir quand est-ce que je le reçois et voir si j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vidéo, parce que j'aimerais bien le comparer avec le savon Pierce quand même. Donc faire un sourcil Pierce, un sourcil Brow Freeze, et après faire les deux, mais un avec le Brow Freeze, mais un avant le teint et un après le teint, pour voir si ça fait bouger le fond de teint ou pas. Et voir la tenue, si la tenue est la même que le savon, des choses comme ça. Voilà, j'aimerais bien comparer, donc on va voir. Ce matin, j'ai rattrapé quelques vidéos en retard. Il ne m'en reste plus qu'une de chez Marion en retard. Elle a encore utilisé le produit. D'ailleurs, elle utilise la palette Mitchell, là, by Mitchell. La palette militaire que je vous avais partagée sur Instagram, qu'elle me plaisait bien. Après les teintes, j'ai l'impression, je pense quand même que j'ai pas mal des mêmes teintes, surtout maintenant avec la Blood Money là. Il y a plus de vert dans la Blood Money que dans celle-là, parce qu'il n'y a pas énormément de vert, même s'il y a des très beaux verts dedans, mais voilà. De toute façon, je dois me calmer, je vais éviter d'acheter des palettes, j'en ai largement assez. Il faudrait vraiment que ce soit un gros coup de cœur, une sortie vraiment coup de cœur, quoi. On verra bien. Mais cette année, je vais essayer de limiter l'achat de palettes, au moins de palettes. Tout le reste aussi, mais au moins de palettes, et puis finir mon stock de produits avant d'en racheter, quoi, genre les fonds de teint, les anti-cernes, poudres et tout ça. Pas acheter de bronzer, blush et highlighter. Je vais essayer de limiter aussi, mais je peux pas vous le promettre parce que bon, c'est quand même des produits que j'aime beaucoup, comme les produits à sourcils. Donc voilà, on verra bien. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, moi, je vais aller laver mes éponges, mon goupillon. Je vais attendre que la vidéo ait fini de charger. Il faut que je fasse la barre d'infos. Je vais faire la barre d'infos en même temps. Et ben voilà. Donc moi, je pense que je vais vous laisser ici aujourd'hui. Et on se retrouve un petit peu demain. Ça ne sera pas très passionnant demain non plus. Hein, mais je vous ferai quand même un petit coucou. Hello. Alors, il est 7h33. Voilà. Je vous prends juste pour clôturer le vlog, en fait. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire. Alors, hier, j'ai même pas dû aller chercher les petits, puisque mon frère est rentré plus tôt du travail. Donc, il était chercher lui. J'ai fait mes petites tresses pour avoir des bouclettes. Vous aimez beaucoup quand je fais cette technique. Voilà. Donc, là, vous avez Proprou en train de dormir juste à côté de moi. C'est la sieste du matin, hein, très importante, la sieste du matin. Hein. Elle vaut presque autant que celle de l'après-midi et du soir. Donc là, je vais appeler Amy. C'est notre petit rituel souvent du vendredi matin. Je vais faire mon teint avec elle en appel. Et ensuite, j'irai tourner ma vidéo donc, qui est le challenge Disney de mercredi. Et là, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, comme aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Je dois aller chercher les enfants à 2h20 et à 3h25. Sauf si mon frère rentre encore plus tôt. Croisons les doigts, comme ça j'ai même pas besoin de sortir. Mamie peut rester au chaud et tout, c'est nickel. Donc je vais aller appeler Amy, voilà, tout simplement. On va papoter une heure et puis après j'irai faire ma vidéo de mercredi. Et voilà, j'aurais plus qu'à monter le vlog aussi cet après-midi. Le mettre en téléchargement parce que ça prend énormément de temps. Et là, je me suis rendu compte qu'il était déjà pas mal long rien qu'en 4 jours. Hein, donc, voilà. C'est passionnant ce que je vous raconte. Hein. C'est encore un vlog hyper chiant, je crois. Hein. Voilà. Mais vous aimez quand je vous fais chier. Donc, écoutez, vous êtes un peu sadomaso sur les bords, je pense. Parce que m'écouter parler pendant plus d'une heure, c'est quand même un peu chiant. Hein, voilà. Bref. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche sur l'écran, hein, liker, vous abonner et tout ça, tout ça. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le vlog, encore cette fois-ci. Répondre aux questions que j'aurais pu vous poser les autres jours que je ne me souviens plus, hein, puisque mamie a la tête comme une passoire et elle oublie tout. Donc, voilà. Et ben, on se retrouve de toute façon demain, pour vous. Pour la vidéo, c'est une palette, un make-up. Mercredi avec le challenge Disney, peut-être en bonus mardi si je reçois mon produit à sourcils, et voilà. Donc du coup je sais pas ce que je vous mettrai vendredi, mais on verra bien. Et donc bah voilà, tout simplement dimanche avec le prochain weekly vlog et tout ça. Je vous tiens au jus de toute façon sur Instagram ou encore dans la partie communauté YouTube. Donc, je vous dis à demain, du coup, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.